Bruxelles est le centre du pouvoir. Ici, des décisions qui nous concernent tous sont prises chaque jour par les institutions européennes et les gouvernements des États membres. C'est pourquoi des centaines de lobbyistes travaillent ici, avec un seul objectif en tête, mettre la législation européenne au service de leurs intérêts et de ceux de leurs clients. Mais comment arriver à faire passer son message? Comment faire en sorte que Bruxelles serve vos intérêts? Voici 4 conseils pour devenir le parfait lobbyiste. Prenons l'exemple de la législation européenne sur les émissions polluantes des véhicules. Pour obtenir ce que vous voulez à Bruxelles, vous avez d'abord besoin d'avoir des gens sur le terrain. C'est pourquoi pour chaque député européen, il y a environ 6 lobbyistes. Vous avez aussi besoin d'alliés et d'argent. Beaucoup d'argent. Assurez-vous d'avoir de bons contacts, de très bons contacts. What happened around the real world driving emissions issue is that Germany lobbied France and the UK to support a weakening of those limits. And then the 3 governments went to the head of the European Commission and insisted that a deal was struck at a technical meeting, the Technical Committee on Motor Vehicles. And President Juncker instructed his team to ensure that that happened. And that was why the regulation was weakened in the way that it was. Soyez partout. Participez à autant de groupes d'experts et de comités techniques que possible. Et si vous gagnez leur confiance, ils feront exactement ce que vous leur dites de faire, jusque dans les moindres détails. Ne soyez pas timide. Écrivez tout simplement la loi à leur place. Enfin, vous devez connaître vos ennemis et faire en sorte qu'ils restent bien silencieux. Ja, wir stellen fest, dass wenn wir uns mit der Automobilindustrie anlegen, dass wir in knallharter Weise bedroht werden. Man teilt uns mit, dass jedes unserer Worte geprüft wird. Wir müssen Pressekonferenzen mit unseren Anwälten machen. Es erscheinen bis zu 5-6 Juristen pro Presse, von der Autoindustrie bei einer Pressekonferenz. Si vous suivez bien attentivement ces 4 conseils, comme l'a fait le lobby des constructeurs sur les émissions polluantes des véhicules, vous pouvez être sûr que les citoyens et la planète ne se mettront jamais au travers de vos profits.